déplacer ma maison ou je vais gommer ta famille. Et yop le petit pote, c'est après coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de deck. Avant que la vidéo commence, les gars, très très important, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le petit pouce bleu. Sachez que j'ai fait gagner un pass royal, le 25 décembre, donc toutes mes vidéos, toutes mes vidéos de maintenant là, de celle-là au 25, il y aura un pass à gagner. Donc, c'est pas compliqué pour participer, il suffit de s'abonner, de mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire sous cette vidéo ou une autre vidéo que je ferai. Et le 25 décembre, je fais le tirage au sort pour une personne, et puis voilà. Alors les gars, petit deck, alors là, c'est un petit deck spécial, les gars, je vous dis. Alors en gros, c'est un deck Arkis, ok? Un deck Arkis insupportable. Il y a un milliard de squelettes. Alors comment j'ai découvert, c'est que de base, j'ai venu faire une vidéo avec un deck que j'ai créé, et lui là, il m'a poutré, c'est bon, il m'a défoncé. Et j'ai vu ça, je suis en mode, ouais, en vrai, il est intéressant et tout. Et du coup, on va le tester. Donc, c'est parti. Ok, c'est parti, petit roi squelette, oui, il y a un roi squelette, bien sûr. Un petit chef squelette, qui en allait battre ici, hop. Je suis dans le squelette au fond. Allez, le roi squelette fond de map. Hop. Pas compris son électro-sorcier là. Hein. Ok, parfait. Là, on va avoir beaucoup d'âmes. On va y mettre un Arkis derrière. Hop. Oh là là, Oski va se prendre lui. Ça va être violent. Alors, oui, alors. Hop. Hop là. Ah. Voilà, qui s'y connecte. Voilà le bon côté des choses. Ah. Non. Frère, le chasseur tape. Merci. Hop, ça part, ok, mais il met une voleuse d'or à mes squelettes, donc ça c'est clean. On va aller prendre cette première win, hein, qui va être prise hein, assez facilement. Ok, petit zap, tranquille. Ok, alors qui s'y connecte, un point de connexion de sapeur, c'est pas grave. Donc on n'a pas de bâtiment, il est spécial ce deck, mais vous voyez là, j'attends le poutrer le mec. Hein. Bon, certes, c'est pas le meilleur joueur du monde, mais... Hop, si on va aller mettre ça, comme ça, moi, on a des âmes. C'est pas trop mal. Ok, on va les mettre des squelettes en plus pour rajouter des âmes au compteur. On va les mettre dans mes squelettes en plus pour rajouter des âmes encore. Très important de protéger le squelette. Hein. Hop, voilà, nickel. Il a les balles, c'est pas grave. Ok, on peut attendre un petit peu. Hop, on va activer la capa. Là, il va y avoir 770 milliards de squelettes. On va aller prendre cette tour en plus, ça c'est beau. Ok, on va aller mettre mes squelettes sur ça. Voilà, nickel. On a le zap. Le zap qui était à chier, c'est pas grave. Là, c'est pareil, on fait la même. On va mettre un squelette au pont, comme ça, en mode duolo, juste histoire d'avoir les âmes. Bah ça c'est relou, bon c'est pas vrai. Il n'y a plus d'MK, alors on va aller rajouter des âmes au compteur encore. Très important d'avoir un maximum d'âmes au compteur pour pouvoir activer la capacité. Et puis voilà. Ok, ça c'est bon. Bon, lui on l'a soulevé littéralement. Genre, bon je pense que c'était pas le meilleur joueur ever. Bon voilà, je pense que... Après... Je sais pas hein, si c'est un vrai mec. Bon, je sais pas. Allez, c'est parti. Deuxième game, on se. Ouais, voilà, deuxième game. Pas besoin de cut. Pas besoin de cut. Ok. On va aller mettre un petit fusil squelette ici tranquillement.
Oh, de l'Arkix. Qui est le meilleur Axie Arkix? Je bégaye, c'est grave. Ok, bon. On va voir ça, hein. Le seul problème, c'est que la Tesla peut snipe de là. Ok, donc pour l'instant, on win. Pour l'instant. Je vais mettre des squelettes bas, comme ça, l'Arkix, il n'y a pas connecté. Juste mettre un petit zap tranquille ici. Hop. Nickel. On va aller mettre un Arkix. Hop. On va voir mes squelettes s'ils mettent Tesla. Je sais pas ce qu'ils vont avec cette Tesla. Hein. Ok, on va aller mettre un chacha. Un petit chacha ici. Tranquille, voilà, nickel. Ça connecte. Ok, mais ça, on a des âmes. Ok, parfait. On va mettre des squelettes en plus, bon, nickel. On va mettre un squelette sur le techo, voilà, nickel. On va pré-shot l'Arkix en plus, c'est beau. Le roi squelette ici, comme ça on a beaucoup d'âme. On va aller mettre ce sac à pas directement. Plus ce gobelin Samacan. Là on est en train de le détruire, le frérot là. On est en train de le détruire. Peut-être le 3 couronnes, hein. Ce serait beau. On va mettre dans mes squelettes. Et on va aller prendre ce petit 3 couronnes. Ça fait plaisir. Ok, bon, on est contre un mec à 5K, Arkix. Bon, comme vous voyez, bon, là on n'est pas encore fait sur le meilleur joueur, mais l'Arkix que j'ai, il est beaucoup trop fort parce que le fuit à squelette. En fait, il va faire utiliser son sort. Il y a une arme à squelette derrière. Et c'est chiant, genre. Et au pire, la capa du roi squelette. C'est relou. Et là, en fait, l'Arkix, comme il y a beaucoup de bait, l'Arkix c'est très relou. Ok, là, belle angle de tir de la part de sa part. Ok, belle défense, belle défense. Ok, on va mettre le chacha. Hop, nice, ça tue pas le... Oh, je veux dire, ça tue pas si c'est... Oh, deuxième coup peut-être. Ouais, nice. On va mettre le zap ici. Oh, ouais, je veux dire, ça évite de tuer tout le squelette, il a fait une flèche, il a détruit un... ok, petit roi squelette. Ok, on va aller mettre le fusquette ici pour donner des âmes. Yes, je voulais mettre là, le slick. Pas grave. Ok, on va aller le tab, on va pas activer la capa. Ok, bon. Il fait rien, on va aller mettre le chasseur haut alors. Hop. On va aller one shot cet archer. Ouais, de la Tesla du deck, c'est le chasseur les gars, au cas où. Ok. Voilà. Hop. On va aller mettre le roi squelette en plus. Nickel. Là, comme ça, il aura pas de belle angle de tir. Et là, nous, on a notre roi squelette qui est plein de kappa, là. Enfin, plein de bidules, là. Ok, là, il a fait une très, très mauvaise tornade. Là, il a plus de bûche. Et là, on va pouvoir activer la kappa. Et là, les gars, c'est le moment de mettre la couscoussière. Ok, il a bien défendu. Là, on a pris beaucoup de dégâts gauche grâce au...
Comment ça s'appelle? Putain, au fuyau squelette. On va mettre un arc expression, là on peut préparer notre chasseur s'il met des sapeurs. S'il met rien, sinon on a notre chasseur ici. Plus le roi squelette. Peut-être le zap ici pour aller garder notre truc en vie. Non, ok. Mon arc qui ne restera pas en vie. On essaie d'avoir un cyclien. Ok, on n'a pas réussi, c'est pas grave. Là je vais être obligé de mettre un arc défensif pour le coup. On va mettre le doigt sur la canne, qui va peut-être nous aider. Il va peut-être débloquer la situation. Alors on va mettre le fuyau squelette ici pour aller tanker. Il y a beaucoup trop de squelettes dans des trop de mots squelettes. Ok, là on a beaucoup de squelettes. Ah, ça c'est pas cool ça. Ok, on va aller mettre l'Arkix là. On sait qu'il a cette table. Voilà, on fait gaffe. On va mettre une ici hop, voilà, nickel. Et là l'Arkix s'y connecte. Donc on a sur la canne qui va connecter aussi. Là on a le chasseur. Le seul problème c'est qu'on n'a pas de sort pour t'amener. Ça c'est le seul petit souci qu'on va avoir. C'est qu'on n'a rien pour t'amener à toi. Là c'est la sauce. Je vous le dis. Là pour t'amener au point. Là maintenant faut aller faire connecter maintenant un Arkix. Mais il fait un squelette aussi, faut pas oublier. Hop. Ok, on a le golem à sa macane. On va voir les zaps ici. Ok, à chaque fois on va devoir connecter ça. 22 HP, on a toujours pas de sort, hein. Ça faut pas l'oublier. Ok, je me doutais qu'il était en archi magique. Ok, c'est pas trop mal. Ok, il a un peu raté sa toto. Ah si, on a le zap, c'est vrai. Ça finit ou pas? Ah, c'est bon. Pas facile, hein. Pas facile la game du tout. Pas du tout facile la game, hein. Ok, bon, à partir sur une petite dernière game, bon, lui il était déjà bien meilleur que les autres. Partir sur une petite dernière game contre ouais contre le frérot le coréen là. Ok. Vous voyez le deck est très polyvalent, même contre le mec qui a beaucoup de sorts. C'est compliqué pour lui de passer. Hein. Tranquillement. Parfait. Alors ce qui peut être galère je pense, ouais non mais pas hein. J'ai dit le PKF Richpam, ouais si le PKF Richpam peut être un peu galère, mais en vrai ça va. Je sais pas ce qui. Un Molos. Molos je pense que ça peut être compliqué Molos. Après moi là c'est juste tu spam tout au pont quoi. La queue de moi ça m'accale. Wesh. Qu'est-ce que c'est que ça? Wesh il a pété un câble le frérot là. Alors ouais la technique, ouais la technique. Tu mets l'arme squelette avant le roi squelette. Ah. Bon bah il est un petit peu contre-carré mon plan là. On va aller prendre la tour déjà, c'est une bonne nouvelle ça. Bon lui c'est une petite free win hein, ouais voilà hein. Un passe mytho lui c'est pas le meilleur des joueurs. Ah, je vais aller prendre cette tour. Je sais pas trop comment mais ouais. Qui va être défend en plus, qui va être casse-couille. Ouais, c'est juste que je voulais que c'est plus la princesse. Ok on met quand même 8 de dégâts sur ça, c'est pas mal. Ok, on va les mettre les squelettes ici au cas où. Et il a racheté la game. D'accord. Bon bah voilà, petite free win. Ça fait plaisir. Hein. À pas cracher dessus, j'ai pas vu mytho. On crache pas sur les free win. Je pense qu'on a tombé de la capa. Bon, c'est pas grave, on a pas tombé de la capa. Mais on va quand même aller prendre ce 3 couronnes. Et ça fait plaisir, bon lui je pense que c'est un vrai arène 4 pour le coup, un truc pas loin, genre moins d'arène 10 je pense. Ça ne m'étonnerait pas, on va aller regarder le profil du fait. Voilà, arène 8. Bon les gars c'est de la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi si vous voulez d'autres decks. Et puis c'était vrai coup, ciao.